Salut, cher Papoua, cher Papouasa. Ici votre président Chouchou, DJ Moulukoukou, le Quadraduro. Nous sommes au lendemain de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur les Fenech d'Algérie. La joie est encore dans mon corps. Et quand le président est en joie, les platines pleurent. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, et la joie est dans mon corps. Je ne peux contenir cette joie. J'ai envie de la partager avec les membres de mon gouvernement. Karina Style. Ja. Karina Style. Ja. Yo. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le président. DJ Moulukoukou. Oui. Quadraduro. Selon la Constitution, oui. La victoire a été validée. Alors, quand. Par la présidente de l'Assemblée nationale. Ah oui? Oui. Evelyne? Oui. Alors, c'est ce matin, en fait, que la victoire a été validée. D'accord. Hier, ils ont marqué les buts. Oui. Mais il fallait que la victoire soit entérinée. D'accord. Soit. Validée. 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 D'accord. Wow. Et quand un membre, du gouvernement est habillé aux couleurs adamantines, il faut bien sûr un défilé. Madame la gouverneure de Bourassa, s'il vous plaît. Ernestine. Ernestine Tché-tché Jejet. Ernestine Jejet. Mais les éléphants ont gagné. Oui. Je vous ai parlé, non? Mais on a gagné avec la manière. Avec la manière. Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Avec la manière. Alors, on va se calmer. On va reprendre nos esprits. Parce que nous devons dépaporiser, n'est-ce pas, cette victoire. Bien sûr. Cher Papoua, chère Papouase, il est grand temps de savoir ce que Showbuzz de ce dernier numéro, de la semaine. Cette dernière semaine nous réserve. Tout de suite. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz. Côte d'Ivoire, Algérie, les éléphants abrègent le séjour des Fenech au Cameroun. Grosse dépaporisation dans un instant. Depuis le Gabon, Chanel va se confier à la Papouasie. Interview inédite. Ce vendredi, Showbuzz va se replonger dans la belle époque de la rue Princesse. Invité Chagui Charouf. Coup d'envoi lancé, Buzz News. Karina Style. Karina Style. Karina, hé. Yeah.
Karina, oh, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, tout a été dit. Quand on dit on fait, on fait. La Côte d'Ivoire a battu les Fenech d'Algérie. 3, mauvais, mauvais. 3-1. Dépopulation. C'est là, mais on n'a pas dit c'est loup. C'est loup. C'est loup. C'est loup. C'est loup. J'ai dit que... Oui. Les Algériens... Oui. Qui devaient gagner pour se qualifier, n'ont pas fait le poids. Encore moi-même. Mais c'est pas... Ils n'ont pas fait le poids devant les éléphants. Oui. Oui, grâce au but de Franck Kessié. Sangaré, comment... Ibrahim. Sangaré. Et puis Nicolas Pépé, ta mémé. Alors... Mais hier on avait fait des pronostics hier. Oui. Attends. On a fait des pronostics. Est-ce qu'on peut voir? On avait fait des pronostics. Combien? 2-0. Non, 2-0. Non, 2-0. Moi, j'ai 3-1. Moi, je donne 3-1. Non, moi, c'est 2-0. Le cœur, même déjà, même, dis 3-1. 2-0. Ça, pas. Et puis, s'il ne faut pas trop de trucs, quand même, peut-être 4-0 peut sortir. Vous ne croyez pas? Non, c'est 2-0. Moi, c'est 2-0. Mon cœur est blanc. Ton cœur est blanc. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Nous poser, la fois nous poser ça. Alors, ça va, vous avez mangé, les enfants? Tout se passe bien. Vous avez vu, ça va bien? Tout se passe bien. Alors, aujourd'hui est vendredi, demain est samedi, on va à Sydney? Non, on va aller, on est dans la dépopulation. Moi, j'avais dit. Oui, tu as dit, oui. Et Ozone, tu sais que moi... C'est l'esprit qui t'a dit. L'esprit. Et puis tu as dit. L'esprit. Parce que tu ne parles pas simplement. Un président, un président, mais c'est ça ton rôle de président. Parce que le président, c'est Dieu qui donne l'autorité. Voilà, qui parle. Quand Dieu te donne une autorité, il faut écouter la voix de Dieu pour te retranscrire. C'est pour ça qu'on t'est pas pour ce que j'ai dit. Pas, on doit faire pas. Parce que l'esprit m'a dit. Bien sûr. De vous concentrer parce que la victoire. Amen. Amen. Oh, ça me fait gnaou gnaou. Mais tu sais, voici une Côte d'Ivoire qu'on veut voir. Une Côte d'Ivoire unie. Mm-hmm. Des joueurs qui ont conscience que leur population a besoin, n'est-ce pas, de telles victoires pour, n'est-ce pas, pour se détendre, oublier un tant soit peu les problèmes que nous avons. Regarde un peu, analysons un peu comment les joueurs se sont comportés sur le terrain. C'est-à-dire, ce n'est plus une question d'individualisme. Regardez, c'est-à-dire que même en défense, il y avait du soutien. Au milieu, du soutien. En attaque, du soutien. Est-ce à dire que le coach a pris en considération, n'est-ce pas, les critiques des Papouas et des Papouases aux autres? Bien sûr, le coach a pris en considération les critiques des Papouas et des Papouases. Et les joueurs eux-mêmes ont compris qu'il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de toute une nation. Donc il ne faut pas, ça ne rigole pas. Là, on a dit qu'on doit être premier jusqu'à aller prendre la coupe. On est sur le chemin, nous sommes sur le chemin. Simplement. Karina, comment est-ce que les stars ont réagi sur les réseaux sociaux? Ah, certaines stars ont fait des publications que je vais lire. Didier Drogba qui dit « Belle victoire, les gars. Fier de vous, mes jeunes frères. On avance. Repos et dans quelques jours, on remet autant voire plus d'intensité pour le 8e de finale. Il y a aussi Zunon Book, c'est-à-dire Enus Zunon qui dit « Ténor, tu veux manger quoi ?» Ténor a mangé quoi ? Essaye, il va me renseigner. Tellement il est content de la victoire. Et Nathalie Kouya qui dit « Mon amour est mal au S, vous ne tapez jamais poteau !» Poteau ! Tiens, la victoire me pénètre, j'ai aimé. Finale de la CAN se joue entre vous et nous, j'ai parlé. Ah non, ce côté-là, ce côté-là. Bon, je suis côté. Ils doivent revoir ce côté-là. Oui, justement. Ouais. Mais est-ce que... on y va, Karina, c'est pas terminé. Depuis le... Malou Tsepé, elle dit, depuis le matin, j'ai prié pour eux. Les Camerounais ont encouragé, envoyé des zones positives, etc. Le résultat est là, positif. Les éléphants sont
au top de leur forme. Bon, yanni. Bon, quelque façon, on a gagné là. Oui, les gens ont changé de mentalité. On se rappelle qu'hier, à la fin, elle a dit que les lions indomptables ont déjà marqué 3 buts d'affilée depuis le début de cette CAN. Mais pourquoi? Mais elle, quand elle, en fait, elle, quand elle parle. Si on veut trop parler là, nous, on a bien joué que. Parce que nous, on a gagné. Notre premier match, on a gagné. Oui. Ils ont gagné. Oui. Leur deuxième match, ils ont gagné. Oui. Ils ont fait 4-1. Oui. Nous, notre deuxième match, là, on a mis 2 quand même. Oui. Et notre troisième match, on a mis 3-1. On n'est pas leurs camarades. Mais est-ce que vous savez que les agents de NCI ont transformé l'open space en Japoba? Tadicha! Bon, on aura ça plus tard. À l'Open Space, les agents ont regardé la rencontre à l'Open Space. Ouais. C'était ahurissant. C'était la joie totale. Oui. Et les images, tout à l'heure, je pense que Tetich va... Il y avait qui là-bas même. À l'Open Space, il y avait Alizia Rasuba. Mais il n'y avait pas Rebecca. Rebecca et Pointu. Pointu. Oh, Pointu était là. Pointu était là. Pointu a regardé le match à l'Open Space. Pointu était là, il était pas quelque chose. Pointu. Ouais, allez, Tatich, est-ce qu'on peut avoir ça? Les Ivoiriens sont des bois, rien ne peut nous arrêter, toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter, va pour Chanor. Et ça, c'était à l'Open Space, c'est ici, hein, pour les papouas qui ne savent pas ce que c'est que l'Open Space. Nous, c'est notre grand bureau. Voilà, c'est là qu'on se retrouve pour travailler. Et je ne sais pas si les Ivoiriens, si les éléphants savent ce qu'ils nous produisent comme effet quand ils jouent. Je ne sais pas quoi. Quel abus, c'est pas. Mais je n'ai pas vu Osoun là-bas. Hein? Je n'ai pas vu Osoun là-bas. Non, tu peux pas. Osoun était ailleurs. Il était en tout cas, les éléphants nous ont procuré de la joie. Je suis tellement fier. Et puis, je veux lancer un appel en même temps à tous ceux qui sont sceptiques. Arrêtez vos commentaires négatifs. Vous ne les connaissez pas. J'ai pris Mazo Céline. C'est parce que nous-mêmes, on est Mazo, même qu'on supporte même. Quand les éléphants se déplacent, c'est le pays qui se déplace. Donc, on a le devoir de soutenir nos éléphants jusqu'à la victoire. Et je vous ai dit, je le répète ici, moi, je donne conseil aux éléphants en demi-finale. Tu sais, tout ça là, c'est la formalité en rempli. Moi, la CAN n'a pas encore commencé pour moi. Je donne conseil en demi-finale. Faites capture et puis vous allez garder ça, vous allez me sortir ça. Mais ça finit pour une séance, on s'en va seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Karine Astaire. Bonjour. Et le prochain match des éléphants, hein, pour le 8e de finale, c'est le mercredi 26 janvier. L'anniversaire de Madame la gouverneure. Karina, c'est pas dans ton anniversaire que quelque chose peut se passer. Jamais de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le 26 anniversaire. Donc, les Ivoiriens doivent rencontrer l'Égypte, n'est-ce pas? Et c'est un match à ne pas négliger. Ozone? Oui, c'est un match à ne pas négliger, un match... Bon, on va pas faire les pronostics maintenant. Hein. Non, on fait pas les pronostics. On fait les pronostics le mardi. Non, mardi peut-être, voilà. Le mardi. On parle pas des pronostics. Ou bien après le match. Ouais. Après, certainement après le match. Mais moi, ça l'a pris. Non, on fait pas de pronostics. Nous sommes confiants. On veut que les Ivoiriens nous produisent un football champagne comme... Comme ils l'ont fait hier. Voilà, comme ils l'ont fait hier. Voilà. Donc, vraiment, les gars, soutien et merci pour cette joie que vous nous avez procurée. Merci. Alors, et puis, autre chose. On a gagné les Algériens. La Kinda. Qui connaît la Kinda? La Kinda. Le feu. Chanel, elle a accepté de parler avec nous, elle a accepté de dépaporiser avec nous. Ça sera dans le gros buzz. Alors... Vous savez que, voilà, on émet tellement loin ces histoires de réseau. En ce moment, on n'a pas encore digéré la victoire des éléphants. Donc, tout est occupé. Ouais. Voilà, tout est occupé. Donc, dans quelques instants, on va joindre Chanel pour parler avec elle. Chanel, qui est une grande artiste africaine, d'origine gabonaise. C'est notre... Je ne sais pas... Elle,
C'est notre belle-sœur. Non, est-ce qu'elle est devenue notre belle-sœur? Est-ce qu'elle est belle comme... Elle, c'est notre belle-sœur comme... Elle-même, là, tu n'as pas vu son commentaire. Non, parce qu'elle, là, parce qu'elle poil, là, c'est un peu ambigu. Quand hier, on a gagné, là, tu n'as pas vu son commentaire. Non, j'ai vu son commentaire, mais son commentaire n'était pas précis. Non, hein, elle a dit merci de ma voix. Elle a dit, elle a, voilà, elle merci de ma voix. Rien, je veux épouser. Elle veut épouser. Elle, elle dit, je veux épouser. Non, en fait, est-ce que Chanel a le même statut que Grand P? C'est ça, c'est la question qu'il vous posez. Non, c'est pas, elle n'a pas le même statut que Grand P. Elle n'a pas le même statut que Grand P. Elle dit merci de ma voix. Ma voix quoi? Ma voix quoi? C'est ça la question. Elle dit merci de ma voix. Elle dit que nous, on l'a. Nous, on l'a. Non. Ma voix, il y a point de suspension. C'est pas terminé. Je pense que, je pense que nous l'avons. Tintich, est-ce que tu me confirmes ça? Chanel, bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour, Jobez. Bonjour. Et là, tu es dans ton lit? Oui. Et tu veux nous faire encaisser? Encaisser quoi? La victoire des Fontaines. Oh non, 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 là, on parle de, là, en ce moment, l'actualité, c'est les éléphants de Côte d'Ivoire. Attention. Hein. Ok. Mais ok, c'est vrai, bravo les éléphants. Merci Chanel. Merci Chanel. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors, et vous? Oui, oui, écoute, ça va, on pète la forme, hein, ça, on pète la forme en ce moment. Les éléphants se trouvent sur toutes les langues hein, dans le monde. Ton pays s'est qualifié pour le 8e de finale. Impression? Les émotions? Non, impression. attention, attendez, voilà, impression, voilà hein. Les impressions. Les impressions font que voilà, je ne tiens plus en place. Mon pays s'est qualifié. Bah, écoutez, les panthères, elles sont géniales. D'accord. Je suis fière d'elles. D'accord. Je suis fière des panthères jusqu'à. Je pense que ceux qui sont intimement liés, WhatsAppalement parlant avec moi, ils vivent des choses, même sur certains réseaux. Ils voient combien de fois. Je suis très expressive niveau, comment on les appelle, pom-pom girl. Niveau soutien, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, je suis sur le plateau avec les membres de mon gouvernement, hein, Karina Style, bonjour. Madame la gouverneure de Gbere City, et puis Ozone Afrique Bomba. Ozone? Oui, Chanel, nous aussi, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée aussi, et bien sûr, tu as fait une publication dans laquelle tu dis « c'est pas pour rien, je veux épouser un Ivoirien ». Nous, on veut comprendre, on veut savoir. C'est Shadow Chris ou bien c'est pas Shadow Chris? Parce que nous, on veut comprendre. Et c'est quoi Shadow Chris? J'ai dit, tu as dit « c'est pas pour rien, je veux épouser un Ivoirien ». Merci de m'avoir. Ok? Oui. Tu veux épouser quel Ivoirien? Shadow Chris ou pas? On a dit un Ivoirien. Shadow Chris, c'est mon crush. Maintenant, je dis épouser un Ivoirien. C'est ouvert. Chanel, crush, ça veut dire quoi? En bon français, ça veut dire quoi? Crush, ça veut dire quoi? Comment dit, crush? En français, c'est facile, quoi. En français, facile pour que les papouas puissent comprendre. Ouais. C'est l'artiste qui... Ton kiff? Ouais, son kiff. C'est mon kiff. C'est l'artiste qui me donne des papillons dans le ventre. Oh là là. L'artiste ivoirien. Oui. D'accord. Et là, ça, quand même. Mais l'Ivoirien qui avait épousé, ça là. Est-ce que les choses? Il n'y a pas, on a dit que c'est ouvert, mais il n'y a pas encore de. Il n'y a pas de prétendant? De prétendants, de gens qui. Non. Elle a vu sa tête. D'accord. D'accord, Karina. Alors, bonjour, Chanel. Bonjour. Parlons de Shadow Chris. Vous avez sorti un morceau intitulé « Paysé », aujourd'hui qui comptabilise 1 million de vues sur YouTube. Quel est ton commentaire face à ça, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Je suis très contente. Je suis très fière pour Shadow. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a travaillé... ensemble, mais le projet d'abord c'est le sien, et quand je l'ai écouté, je lui ai dit que ça promet, on va forcément flirter avec les 1 million, et puis je me suis donné corps et âme dans ce feat là. Du coup, quand on arrive au 1 million de vues, c'est qu'il y a une très très grande récompense pour un artiste. Si. Donc je l'ai appelé, et puis voilà, on a fait la fête au téléphone.
D'accord. Je rappelle à tous les Papouas que nous sommes en direct avec Chanel, artiste gabonaise, artiste qui fait la fierté de l'Afrique. Nous étions ensemble au Sénégal, à Dakar. Où nous avons chauffé un peu les Dakarois et les Ivoiriens qui vivent là-bas. Mm-hmm. Alors, parlons toujours de Shadow Chris. On l'a reçu ici il y a 4 mois, je pense, 4 mois. Oui. Et voici ce qu'il dit. On l'écoute. Maintenant, quand tu vois Azat... Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Mais toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Elle mais moi, je te demande ça à toi, et c'est moi qui te demande. Mais je te demande qu'est-ce que tu en penses, toi. Elle, c'est pas une femme. Belle femme, moi, je suis une femme. Elle, mais je sais que c'est une oui. Belle femme. Mais donc, c'est la vérité. Tu peux pas avoir le même regard que moi. Comment ça? Comment tu as réagi? Regarde ça, c'est quelle couleur? C'est pas jaune. C'est jaune, hein? Voilà, donc tout le monde, toi tu sais que c'est jaune. Toi, même quand tu es à ça, tu sais que tu as réagi. La peau est sortie. Ta réaction que tu as eue. C'est quoi que c'est en bas, non? La réaction en bas. Il a répondu à ça là. Il a répondu à quoi? Tu as dit quoi? Faut monter un peu. Non, nous on veut entendre ça. Qu'est-ce que tu as dit, Shadow Chris? J'ai mis un petit rognon comme ça. Rognon, c'est le cœur. Oui, oui, oui. Donc tu es amoureux. Non. Tu es amoureux, attends. Non, on va pas cœur à tes amis. Ah oui. Si, j'en vois qu'à mes amis. Alors, c'est le rognon, t'as fini? Mais depuis un moment, là, dans une émission même, tu as dit que tu n'aimes pas l'amour à distance. Et que si tu pars au Gabon, c'est pour Chanel que tu vas partir. Il y a 10 ans. Tu as dit ça dans une émission. Hein? Mais depuis là, tu n'es pas encore allé au Gabon. Non, mais c'est à cause de Covid, tout ça. Tu vois, il y a couffé avant. Shadow, quand tu mets que là, est-ce que ça veut dire que toi, tu es fan? Elle dit qu'elle est fan de toi. Est-ce que toi, tu es fan d'elle? C'est ça la question. Claire. Je viens de dire quelque chose qui est très important que vous devez retenir. Ça, voit les lobes. Vous levez en commentaire. Vous levez des. Ah bon? Oui, on voit ça. Toi, est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu ressens quelque chose pour elle? En esprit, et ces gens, en esprit, t'es fan. Faut nous dire. Ben, forcément, je ressens quelque chose pour elle. C'est quelqu'un de bien. Non, en demande si tu es fin. Quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu ressens pour elle, pour Chanel? C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est genre quelqu'un qui a une belle amitié. Est-ce que Chanel, c'est ton genre? Oui. Tu l'aimes bien? C'est mon genre. C'est le mousson en question. Que, parmi les, parmi les attributs d'une femme, là, quand il la regarde, là, les attributs que moi j'aime chez une femme, elle a ça. Ok, d'accord. Donc c'est bon. Voilà. C'est son genre. Il est fin. C'est mon genre. Maintenant, il est fin, là. Le temps. Et ce qui me plaît chez Chanel, il parle comme un bon gourou. Les attributs là. Les attributs. Moi, voilà. Chanel, tu es là? Est-ce que tu es là, Chanel? Bien là, bien. Bon, d'accord. Alors, j'ai remarqué ton visage. Tu as fait une mimique de satisfaction en écoutant les dires de Shadow Chris. Et puis, à la suite de la vidéo qu'on vient de voir, tu as fait une publication qu'on voudrait que tu nous expliques, s'il te plaît, Chanel. Tintin, tu en peux l'avoir? Bon, d'accord. Ouais, elle est toujours là. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce que Shadow pourrait, pourrait gagner le cœur de la Kinda? Est-ce qu'il pourrait être cet Ivoirien? Cet Ivoirien-là en question. Ben, oui. Shadow, oui. Il pourrait parce qu'il a déjà, il y a déjà un papillon dans le ventre quand même qui se balade. Donc Shadow a de l'avantage, on va dire, mais ben on sait jamais. Hein. D'accord. Mais voilà pourquoi je dis c'est pas fermé. D'accord. Est-ce que d'aventure nous on pourrait enfin, non. Que j'ai dit nous, je parle des Papouas, Non, comment? Mais toi tu n'es pas Chanel. Non, j'ai dit non. Chanel. Est-ce que des Papouas pourraient postuler pour, comme c'est ouvert, est-ce qu'on peut rentrer? C'est qui les Papouas? Les Papouas, c'est nous. Le président, le premier ministre, voilà. Ah, ok, oui, postuler. ça c'est un poteau, ça. Karina Style. Mais non, postuler. Non, ta façon de dire postuler, là, c'est, ça dit que, en fait, tu dis venez. On vient et puis tu fermes la porte. Venez. Hey, c'est l'homme qui a peur, souvent il n'y a rien. Venez. T'es sûr qu'on peut venir? Bien sûr, venez. D'accord, j'arrive là. Garde la position, j'arrive là. Karina. Monsieur le ministre. Alors, Chanel, tu as été désignée meilleure artiste féminine d'Afrique centrale à la dernière édition des All Africa Music Awards. Qu'est-ce que ce trophée représente pour toi?
Ah, c'est ce trophée, vraiment, ça m'a plus qu'ému parce que j'en suis à mon deuxième et je me dis, waouh, si je suis récompensée, c'est que mon travail est écouté. Et donc, je me dois de travailler encore plus parce que sincèrement, pour les artistes, c'est vraiment sur la durée qu'on est jugé. C'est vrai, on peut arriver avec un hit, mais après tomber dans l'oubli ou ne plus avoir l'inspiration comme au début. Donc, en avoir un deuxième, ça veut dire que j'ai assez bien maintenu le cap et c'est très, très gratifiant. Et surtout que quand on est artiste vu à l'international, on porte toute sa nation sur le dos. Et donc, je suis contente que le vert jaune bleu musicalement soit hissé aussi haut. D'accord. Écoute, Chanel, on voudrait te dire merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis, est-ce que déjà en 2022, il y a des projets? Oui, il y a des projets, il y a toujours des projets. Et justement, je vais laisser la surprise parce que comme nous sommes un peu superstitieux, hein, quand on parle trop vite des projets, après, il y a Satan qui va mettre sa bouche dedans et puis et patatras. Ouais. Mais je promets à mes kindas toujours le travail. Et là, on est sur un projet qui va voir le jour dans quelques mois. Donc, je préfère. D'accord. D'accord. Et tu fais beaucoup de bien à l'Afrique. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, quand tu arrives à Abidjan, ben, tu es chez toi, passe nous voir. Merci beaucoup. Bye bye. Et puis, laisse la porte ouverte, s'il te plaît. Hein? Et pitié. Venez. Venez, mes enfants. Alors, chers papouas, chères papouases, juste après la pub, nous allons recevoir un grand nom du coupé décalé, Shaggy Charouf. Avec lui, nous allons dépaporiser puis parler d'ambiance rue Princesse. Ça sera trop magnifique. Venez-vous là. Vous là, je vous sens venir. C'est le week-end, c'est vrai, mais calmez-vous. Hein. Cher papa, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On va parler rue Princesse, ambiance, avec un grand nom du coupé décalé, Shaggy Charouf. Shaggy Charouf. Shaggy Charouf. Yes, sir. Et Allah. Bienvenue en Papouasie, Shaggy. Un grand nom du coupé décalé, il a fait danser, il continue de faire danser. Yeah. Nous sommes très heureux de te recevoir en Papouasie. Merci. Mais tu connais tout le monde ici, hein. Tu es en famille. Tout le monde, hein. En famille. Tu es en famille. Ouais, ça, je vous parle. Voilà. Écoute, tu connais l'émission, tu suis l'émission, tu es un fidèle Papouas. Ouais. Tu as deux nationalités, tu es ivoirien et Papouas. Ouais, Papouas. Voilà. Double nationalité, voilà. Quand même. Avec toi, nous allons revisiter, n'est-ce pas, la genèse de l'ambiance à la rue Princesse, ouais, jusqu'à à ta carrière. D'accord. N'est-ce pas? D'accord, pas de soucis. Face. Attends, Judas. À trois. Alors, avec toi, il y aura beaucoup d'ambiance. Ouais. On va parler, c'est vrai, mais il y a le micro qui est là, la platine est là, ouais. Les vibes sont là. Les vibes, all right, sont là. Avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. La vérité. OK. Non, en papouasie, on dit « j'ai les gires ». J'ai les gires. Bon enfant. Mais tu sais quoi, Ozone, j'ai remarqué hier que je fais la rediff, je regardais les commentaires. Mais tu sais que les papouas sont très concentrés. On n'a pas menti aux papouas. Les papouas sont très concentrés. Ils ont signalé que même monsieur le président, vous n'avez pas giré. Il n'a pas giré. Merci pour votre vigilance, cher papouas. Alors, Shaggy, ça vient d'où, Shaggy Charouf? C'est quoi, Shaggy, ça vient d'où? Déjà, Shaggy Charouf, vous savez, à l'époque, on est. Bon, je veux dire, les DJ à l'époque, chacun. Les noms, c'était dans les chansons des Congolais. Oui, d'accord. Que ça, on tirait ça. Mm-hmm. Donc, il y a plein, on sait, voilà, on ne va pas tout rentrer dans les trucs. Mm-hmm. Donc, il y avait une chanson de Papa Wemba que j'écoutais beaucoup.
Il chantait le avec nom. Toi, on peut pas, tu sais, on va pas s'ennuyer. Monsieur le Premier ministre, qu'il garde le micro, on sait jamais. On sait jamais, voilà. Ça, c'est des micros voilà, donc, qui nous viennent du Kazakhstan. Ouais, est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, c'est ouvert, t'inquiète pas, c'est ouvert. Okay. D'accord. Voilà. Donc, je mets ça à côté. Non, tu peux attraper ça même. C'est quelle chanson, papa ou Maléa? Ben, je me rappelle plus, mais c'était une chanson rumba. Donc, bon, il y a eu plusieurs chansons. Il y avait une dame qu'il chantait beaucoup, Sagi Sharoufa. D'accord. Et moi, voilà, moi, à la base, les gens m'appelaient Shaggy. Parce que à cause de l'artiste Shaggy, l'Américain. Mmh. Et donc, plus tard, quand je faisais la musique coupée, décalée, tout ça, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas prendre le Shaggy? Et puis, le nom, ça ressemble un peu le nom qui est dans le son de Papa Mba, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que. Shaggy Sharoufa. Et tu sais quoi, ton nom, comme... civil? Coco Yao Joseph. Coco Yao Joseph. Ouais. D'accord. Coco Yao Joseph. Comme Defty. Vous avez Coco aussi. Coco aussi, ouais. D'accord. Mon fils aussi s'appelle Joseph. Vieux gazette s'appelle Coco aussi. Ouais. Ouais, et puis il y a Coco, il est. Voilà. C'est bon, on va trouver un Coco. Alors, tu es moins présent sur la scène qu'avant. Pourquoi? Maintenant ou toujours? Maintenant, on te voit rarement. Rarement, maintenant, ouais. Bon, maintenant, oui, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'est plus comme à l'époque, bon... Vous voyez, avant, il y avait tellement de maquis que tout le temps, on était, tu vois, ça encourageait de toujours sortir. Et puis, quand tu fais moins de chansons, tu vois, tu ne peux pas trop sortir comme ça. Donc, il y a ça aussi, il y a ça. Et puis, tellement les choses ont changé, voilà. Je suis un peu... Dans réservé. Réservé. Et puis, n'oublions pas que, voilà, j'ai un projet et qui est de faire sortir un album. Et donc, ce projet-là, c'est la première fois même que je parle. Donc, ce projet-là fait que je travaille beaucoup dans les studios et je n'ai pas trop le temps de sortir tout le temps, tout ça. Voilà. Chagui, pardon, madame Lagouane, je teste le micro pour voir. Yeah. Petitcha! Takitcha! Katitcha! Mais je prends ton mot. Bon, d'accord. Madame Lagouane, il n'est pas allumé. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais... Oui, vous êtes vigilant. Je veux toujours tester votre vigilance, monsieur le Premier ministre. Parce qu'après l'émission, il y a des briefings. J'avais compris que le micro n'était pas allumé parce qu'un micro qui vient du Kazakhstan, quand il s'allume... OK. On envoie ça. Tchou-tchou. Voilà. Tchou-tchou. Mais on diminue un peu. Le micro. Non, laisse la même. Tchou-tchou. C'est bon. Ah bon, hein? Prenez vos décisions. Prenez vos décisions. Shaggy Sharoufa Toto Waniwe Karamoko Yoyo Karamoko Hey Ma chungiti 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 prenez vos décisions chungiti 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 Karina Siloyo Muluku Kukukwe Muluku ye ye Ozone ozone Matrabadani goma nyata Matrabadani goma Capitaine de centre-ville de l'animation Shaggy Sharoufa Muluku Kukupe Musico. Ah! Petit amusement là. Chapapois, il s'appelle Shaggy Sharoufa. Shaggy Sharoufa. Madame la gouverneure de Bere City. Non, donc ça c'est pour le Tchaï. C'est pour le Tchaï. Donc tu gardes ça, voilà. Madame la gouverneure. Alors, Shaggy, ce que moi j'aimerais te demander, ouais. Les anciens du coupé décalé ont du mal à s'imposer actuellement, contrairement à la nouvelle génération. Ouais. Comment tu expliques ça? Bon, déjà, il y a tellement de choses. Hein, c'est pas. Tu sais, avant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on faisait les chansons, on connaissait pas ce truc de faire tout de suite des clips. Tu vois, la télévision, c'était pas trop le truc à l'époque. C'était, tu fais ta chanson, tu donnes au DJ. Une semaine, deux semaines après, la chanson joue partout, dans les maquis. Et quand ça joue dans les maquis, ça rentre dans les foyers, je vais dire, tu vois. Mm-hmm. Ça rentre partout et voilà. Et tout le monde, tout seul, les gens savent de quoi il s'agit. Mais maintenant, ça a changé. Il n'y a plus tous ces endroits, les maquis, tout ça, où on partait faire la promotion, tout ça. Donc maintenant, les choses ont changé. C'est quoi? Il faut faire des clips, il faut voir la télé, il faut voir la... Il faut absolument faire... Voilà, faire ses... Donc, le système a changé. Donc, voilà, il y a beaucoup qui ne se sont pas vite adaptés. Et donc, il y a ce problème-là. Et puis aussi, il y a un problème même qui concerne le coupé-décalé lui-même. C'est que le coupé-décalé, ce n'est plus comme avant, tu vois. Il y a 10 ans de quoi? Je parle du niveau. Le niveau...
Le niveau, je ne parle pas de, des talents, sois non. Plus explicite. Quand je dis le niveau, je veux dire l'impact que le coupé de Calais avait sur le, la musique ivoirienne, ce n'est plus comme, voilà. Ça, bien ça sûr, quand même. Bien sûr. Donc, il y a ce truc. Il y a ce truc. Attention. Mais je parce sais, que mais parce que, voilà, les artistes, c'est pas seulement parce que les artistes ne sont pas, on va dire, comment on va dire ça, ne sont pas... C'est pas ne sont pas sortis tout le temps les chansons, non. Il y a aussi des... Vous savez, coupé de Calais, il n'y a pas que des chanteurs. Oui. Il y a les danseurs, il y a des managers, il y a des... Il y a tout, il y a boucantier, il y a tout ça. Et il y a plein de personnes dans ces domaines-là qui se sont retirées. Et donc, ça a quand même bloqué quelques trucs dans nos... D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir... Bon, c'est qu'il y a plein de gens qui disent que... C'est la rue Princesse qui faisait votre force parce que vous maîtrisiez les rouages de ce... Et d'ailleurs, on peut dire que tu l'as confirmé un peu parce que tu disais qu'il y avait plus de maquis, plus de bas et tout. Quelle est ton opinion là-dessus? Ce que les gens disent? Bon, c'est pas faux. C'est la rue Princesse qui faisait votre force. Il y a la rue Princesse, il y avait 1000 maquis. On connaît là, voilà, tous ces endroits-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait quand même... c'était une force pour le couper les calés parce que... À la base, voilà, Moulou, il est là. Moulou Koukou, il sait très bien. La rue Princesse, c'était... Je veux dire, le coupé de Calais, c'est la musique des DJ. C'est parti des DJ, des Atalakou, tout ça. Donc, c'est ceux qui travaillent dans ces endroits-là qui savent bien faire la promo et tout. Et quand tous ces coins-là ne sont plus là, ouais. Tu vois que, voilà, il y a un truc qui manque. C'est parce que c'était un canal aussi de promotion. De promotion, ouais. Voilà. Mais c'est le week-end, hein. Écoute ça, celui qui dit qu'il a vécu la rue Princesse et qu'il connaît pas ce morceau, c'est qu'il n'a pas vécu la rue Princesse. Chagui Charou Fatou. Ah ouais. Et bien c'est la vérité, yo yo yo. Oh 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 oh. Hey, hey. Voilà. Tous les jours, mamie me demande l'argent. Mais mamie, pardon, j'ai pas travaillé. Oh. Aujourd'hui, je viens aller chercher boulot pour venir te faire un petit cadeau. Mamie est fâchée, oh oh, mamie a quitté la maison, oh. Mamie revient, pardon. Soba. Mamie, oh, mamie. Soba. Mamie revient, pardon. Carré. Pour le coucou taqué. Ah, tu connais la vérité, tout a commencé à la rue Princesse. Oh. Yes, il y avait beaucoup de maquis, tout le monde était en tard. En tard. Ah, Chaki, Charoufa, y'a bizan la vérité, tout le monde est bas. Ouh. Coupé, 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 yo yo. Coupé, 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 coupé. Je me rappelle la rue Princesse quand je partais au Shanghai. Moulou Koukou faisait les actes à la goué. Aïe aïe! Yébizanga vérité, Batrabana Kouéma dévité. Tout le monde prenait position, mané Kalema, coupé, mané Kalema. Allez, grigata, 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 grigata. Mais ça me rappelle tellement, de choses. Oui, cette musique-là, la rue Princesse. Bien sûr, parce que c'est. Moi, je me rappelle comment il s'appelle, Mano Mix. DJ Mano Mano. Non, il y avait Mano Mix aussi. Bon, c'est DJ Mano Mano qui. DJ Mano Mano, c'était le vieux père. C'est lui-même qui a été le concepteur, n'est-ce pas, des shows Maki. Ah, mais c'était dingue. Et comme Chagui le dit, c'est la rue Princesse, c'était un passage obligé, n'est-ce pas, pour éclore. Et donc, à la rue Princesse, il y avait beaucoup de Maki et puis beaucoup de DJ talentueux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne savaient pas, ils savaient pas qu'en dehors des mix et tout ça, ils avaient d'autres talents. Ouais. Et pour faire la promotion de ton album, de ton morceau, il fallait venir, n'est-ce pas, croiser ces DJ-là pour qu'on puisse faire ta promotion. Voilà, mais je vais aller plus loin. La rue Princesse n'était pas utile que pour la promotion des musiques. Même les autres bars qui n'étaient pas à la rue Princesse, venaient. Moi j'étais à Niangon, tu vois. Nous, on était manager de bar, mais qu'est-ce qu'on faisait? On prenait nos filles et on partait à la rue Princesse. Justement. Pour aller faire la promotion de nos bars qui étaient très loin de la rue Princesse. Donc on arrive, on dit au DJ, ah non, faut dire... Non, les hôtesses. Les hôtesses. Les hôtesses de nos bars, on les ramenait avec nos collègues. Ouais, mais t'es pas encore marié, donc tu peux parler des filles. Non, mais oui, nos filles. Voilà, tranquillement. Nos hôtesses, avec, comment il s'appelle, Père son âme... Mousseurs, comment ça s'appelle Guizot des Mousseurs, oui. Avec toute notre team, on arrivait avec Sarah Livry, oui. Toute la team. Il n'y a pas de grand manager, c'est une émission vraiment
bien. On reçoit Shaggy Sharoufa qui, qui est un très bon artiste, c'est un bon artiste coupé décalé. Je veux, à travers cette émission, faire des, un big up à tous ces managers là qui ont donné du boost oui, à la oui, oui, oui. C'était Jaggy Nabo et Personnel, Charlie Parker qui est encore là, le bichet de Moubali, Youyou Toi Rouge, Augustin Langoulet, toutes ces personnes là. Tous ces anciens qui big ont. Up, voilà, big up à vous. Chico Lacoste, ma team. Ah ouais. Voilà. Shaggy, en quoi est-ce que le coupé, la rue Princesse a contribué au succès du coupé décalé? Mais déjà, je me souviens quand le coupé décalé, je pense vers 2003, un truc comme ça. Déjà, c'est à la rue, quand tu veux, tu vois, tous les grands, Atalakou, les DJ, tous les vrais mixeurs, je parle de DJ Platine, c'était à la rue Princesse. Donc, les gens même qui étaient dans des pays, ils venaient, quand on parle du coupé décalé, on faisait la référence en même temps. On se disait, rue Princesse, c'est coupé décalé, c'est voilà. Donc, je pense que la rue Princesse a vraiment joué un grand rôle. Un grand rôle. Un grand rôle. Parce, et puis déjà, tous les grands artistes du coupé décalé, les anciens, je vais parler de vos générations, Erickson, le Zoulou, Père à son âme. Voilà, toutes ces personnes, Zéphi, tout le monde venait de là. De la rue Princesse. Donc, c'était une bonne école, une formation. Voilà, c'était une très bonne école. Ouais. C'est vraiment parce que la rue Princesse, vraiment, tous les grands sont partis de là-bas. Ouais. Voilà, tous les grands sont partis de là-bas. Tout ce qu'on faisait à la rue Princesse marchait. Bien sûr. Oui. Parlons de la rue Princesse. Comment est née la rue Princesse? J'aimerais savoir. Bon, moi, je ne maîtrise pas bien. Tu as dit comment est née la rue Princesse? Non, la rue Princesse, moi, je sais qu'avant même le coupé décalé, il y avait des maquis comme Golgotha. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr, bien sûr. Il y avait des maquis G10, ouais. Oh, le G10. G10, Golgotha. C'est des plus récents, mais... Ça, c'est avant le coupé décalé. Ouais. C'était vers 2000, voilà. Mais moi, je n'étais pas encore vraiment à fond dans la musique, donc... Et puis... donc voilà. Moi, je vais apporter un peu d'eau à son moulin, mais la rue, elle est née à partir de petits maquis. Hein. C'était des restaurants. Ouais. Des restaurants, on fait à manger, on boit une bière. Après, ça en est suivi une fête, parce que la rue, c'est une droite, hein, de A à B. Les références sont des pharmacies, deux grandes pharmacies, de part et d'autre. Donc, il y a eu un festival, on appelait Carnayop. Yeah. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a. Ce qui a révélé même la rue Princesse. Mais Moula, excuse-moi. Oui. Moi, ce que j'aurais appris, c'est que la rue Princesse, de base, c'était la rue qui va vers la mairie. Est-ce que c'est vrai? Justement, on m'a dit que c'est là que ça a commencé. Justement, c'est ce que je disais. C'était des petits restaurants autour, des petits restaurants où on faisait à manger et tout. Et puis après, on commençait à vendre l'alcool un peu. Ouais. Deux amis, trois amis, quatre, cinq, les groupes ont commencé à se former. Voilà, les maquis ont commencé aussi à grandir et tout ça. Et puis, ça en est suivi le prestigieux Festiop. Ouais. Après ça, boum, la rue Princesse est née. Alors, on va poursuivre, n'est-ce pas, l'histoire de la rue Princesse avec Shaggy Sharoufa. Mais pour l'instant, maintenez la position. Parce qu'il y a trop de choses à voir après. Position de tir. Bien sûr. De retour pour la dernière partie de ce showbuzz. Nous avons Shaggy Sharouf, artiste coupé décalé, qui est avec nous, qui est notre invité pour ce dernier vendredi de la semaine. Normalement, tu dois nous offrir un spectacle. Il le faut, parce qu'on ne peut pas voir Shaggy ici. Ouais. Et puis, mais pour l'instant, parlons. Je vais trouver la formule pour qu'on puisse te voir en prestation. Karina Style. Karina Style. Vous là. Karina, hé. Karina, oh. Alors, Shaggy, c'est le week-end. Toi, tu vas faire quoi aujourd'hui? C'est le week-end. Bon, aujourd'hui, là, d'ici, je vais faire un truc au studio. D'accord. J'ai un truc à faire là-bas, vite fait. Et puis après, je rentre à la maison. Voilà. D'accord. Moi, j'adore franchement le travail de Shaggy. J'ai assisté à beaucoup de ses spectacles. Oui. Ouais, en live, il assure. Bien sûr. Ouais, j'aime la facilité qu'il a d'improviser. C'est quelque chose. C'est-à-dire que quand tu lui donnes, quel que soit le beat que tu mets, c'est-à-dire que le gars, il est. Ouais. Sans l'air. Et Shaggy aussi, il a été à la base du succès de beaucoup d'artistes. Il a intervenu dans beaucoup de chansons. Est-ce qu'on peut citer les chansons dans lesquelles tu as intervenu même déjà, avant de pousser? Il y a tellement, moi-même, il y a d'autres, j'oublie. Au début, ça avait 2006, c'était les Menza. Menza, ouais, le tout bégé de Kajé. Ah, Menza. Mais qu'est-ce qui devient Menza? Menza, il est là, il va bien. Il grossit comment tout ça, il va bien. Ah ouais, il va très bien, il va très bien. C'est lui qui a les cheveux jaunes. Ouais, voilà, Il a les cheveux jaunes et le ventre aussi. Shaggy, attention, monsieur le Président. Vas-y, on peut continuer, monsieur le Président. Il y a eu feat avec Lewis. Sangebé. Après, lui aussi, il a fait un feat avec moi. D'accord. Sur mon son Sangebé.
y a eu ça, il y a eu, il y a beaucoup, il y a plein. Il y a Bounidal. Il y a eu beaucoup de choses. Ah, magicien, Plakali, 200. 200. Ah ouais. Sandia Chouchou. Sandia Chouchou. Le mouvement, il est lancé, nous, on est jeunes. Personne ne veut nous arrêter, chouchouter là. Mais jamais avec Moulokoukou, hein. Pas encore. Non, ça vient. Pas, non, ça. Hey, faut pas te calmer. Ah, on parle pas trop. Mais ça vient quand vous avez fait depuis le groupe Carreux aujourd'hui. Carreux. Carreux. Mais il fait comment pour son truc? Alors, cher papouas, chère papouase, nous sommes avec Shaggy. Je l'avais dit tout à l'heure. On va recevoir quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous là, vous deux. Vous l'aimez beaucoup. C'est celui-là même qui a gagné le concours de l'hymne. Oui. Joshua. Joshua Dedi. Joshua Dedi. Joshua Dedi. Joshua Dedi. Et Dedi, 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 Dedi. Agent. Attention à la marche. Sois le bienvenu, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Hein. Merci, je suis au pays, tu le sais. Justement. Ouais. Mais les gens ont fait beaucoup de commentaires positifs à ton endroit. Ils disent que tu chantes trop bien et tout ça. Wow. Et on veut vraiment te découvrir. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Le dance floor t'appartient. Okay. Joshua Dedi. C'est Papa Rolé qui m'a béni comme ça. Joshua dédié. Tu as fait tellement de choses dans ma vie. Je sais même pas comment te remercier. Tu n'as pas donné raison à mes ennemis. Tu ne m'as pas laissé tomber. Petit à petit tu m'as conduit au sommet. Car tu m'as promis la tête de jamais là. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a changé comme ça. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a béni comme ça. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a changé comme ça. Papa Godé, Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a béni. Quels que soient les problèmes que tu vis, peu importe le désert que tu traverses, ne perds pas espoir, car il y a un temps pour tout. Il n'y a même pas moyen de s'inquiéter, car le sommet des sommets s'appelle Jéhovah. Tu y arriveras, Choco Choco, tu y arriveras. Maman pasteur Edwige. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a béni comme ça. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a changé comme ça. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a béni comme ça. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a changé. Seul Dieu ne sommeille ni ne dort, sinon vigile connaît. Ils ont dit qu'enfant de Dieu ne sait pas danser. Ah, tout le monde prenne position. Bougez, tout le monde. Mister Wanda, sortez la femme. Bougez, je dis tout le monde. Révérend Jean Monnet. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a béni comme ça. Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé qui m'a changé comme ça. Papa Godé, Papa Godé, Papa Godé, Papa Godé, c'est Papa Godé. Merci d'être passé, très bon morceau. Bravo, on est ensemble, bonne chance pour la suite. Alors, il est temps de connaître quelques news, quelques infos du showbiz. Ça sera avec Ozone dans Show News.
Au Zone Afrique, Bamba. Ok, je vais faire très rapidement les news, mais Joshua, il n'était pas obligé de m'appeler sur la piste sur son morceau. Alors, Mola reste l'un des acteurs les plus influents et l'un des acteurs majeurs de l'histoire du Coupé Décalé par sa constance et bien sûr son engagement dans tous les secteurs même de la musique ivoirienne. Il est au labo en ce moment et je peux vous dire que les résultats s'annoncent très colorés. Un double album en préparation. Un double album qui arrive vêtu du manteau de célébration des 20 ans du Coupé Décalé. 20 ans, donc 20 titres, donc choisis parmi 32 titres enregistrés. La moitié des titres est jouée en live. C'est un élément très important à savoir. La moitié des titres est jouée en live. J'ai parlé avec lui ce matin, il a dit que ça a été très difficile de choisir donc, les 20 titres. C'est normal, sur 32 titres. Et Mola, il y aura, sur le projet, le double album de Mola, il y aura beaucoup de collaborations internationales comme locales. Il dit qu'il ne va pas nous dévoiler ça maintenant parce que à la fin de ce mois, il y aura une cérémonie, donc il y aura une séance d'écoute bien sûr privée avec la presse et nous, on va venir donner les infos à toutes les papouases et à tous les papouas qui nous suivent. Félicitations Mola, on attend ce projet. La dernière news, c'est, vous savez que il est important d'apprendre, il est important de se former et c'est ce que Ramatoulaye Didier a compris. Il a donc créé un institut qui s'appelle l'Institut de formation et à l'humour et aux arts de la scène. L'ouverture de l'Institut, c'est ce mercredi 26 janvier à Benjerville, Paris Village, donc le quartier là où l'Institut existe, le siège social de l'Institut. On doit tous être là pour vivre ça. Il y aura tous les artistes qui seront là pour soutenir l'initiative. Félicitations Ramatoulaye, rendez-vous le 26 janvier à l'Institut de formation. En tout cas, félicitations à Ramatoulaye, c'est très bien. C'est une très belle initiative. En tout cas, Shaggy, on a été très heureux de t'avoir avec nous. On va continuer à te suivre. Ouais. Et puis, la nouvelle sortie, c'est laquelle? La nouvelle sortie, ça sort déjà le 25. Le 25? Le 25. D'accord. Voilà, ça s'appelle Bissé Encore. Bissé Encore. Voilà, c'est le nouveau single de Shaggy Sharoufa. Bissé Encore. On aura l'exclusivité sur Radio Nostalgie à partir de demain. Demain, dans Nostalgie, ton genre avec DJ Moulukoukou, de 15h à 16h. Et la semaine prochaine, tu seras encore ici pour Showtime pour nous montrer le Bissé Encore. D'accord. Juste après Nostalgie, ton genre, demain, vous aurez la peufra avec Ozone Afrique Bamba. Ça parle de rap ivoire. Vous êtes servi. Karina, merci, monsieur le Premier ministre. Shaggy, merci. On vous laisse en compagnie de Shaggy Sharoufa, mais version Talakou et tout ça, mais moi. Soba. Soba, nu. Levez les mains, tout le monde. Ça va péter. Levez la main. Allez, 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 allez. J'ai dit fais ton malin, 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 fais ton malin. Ils vont commencer à donner l'argent, attraper le pardon. Ils voulaient donner l'argent, mais attraper le pardon. Le gaffe fait pourquoi tu viens l'attraper? Ça c'est quoi ça? Ou bien c'est la jalousie? Allez, grigata, 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 momento yo. So, mouton, so, mouton, so, mouton, caneton, 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 ça c'est bon ça, glisser, glisser là-bas, je dis glisser, Karina, glisser là-bas, je dis glisser. Bidi, 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 bouvain. Yamoudele, 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 c'est bon. Antique, ma tournée, c'est bon.